le chevalier servant. Parfait, super. Une technique donc, là, parmi d'autres pour lacer ses chaussures sans abîmer son dos. Vous pouvez faire comment ? Oui, là je m'assois sur une chaise, d'accord ? Est-ce que je vais me baisser ? Non. Comment tu vas faire alors ? Tu viens me montrer ? Ils n'ont que 7 à 8 ans et déjà, les bonnes postures sont assimilées. On peut prendre sa jambe comme ça. D'accord. Ok, tout le monde est d'accord avec ça ? Oui. Oui. Les os ici en blanc. Ergothérapeute, Jean-Charles Piquant fait la chasse aux mauvaises habitudes. Pour le cartable, on a dit sur les deux... Du lever au coucher, les postures du quotidien sont disséquées jusqu'au brossage de dents. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici ? Donc là, c'est le fait, l'action de prendre l'eau dans la bouche. Donc c'est un geste qui paraît anodin, mais quand on regarde certains adultes, ben on est tordu un peu dans tous les sens et c'est un mouvement qui, par la longue, peut entraîner certaines souffrances, quoi. Influence familiale oblige, ces élèves de CE1, CE2 ont dû réapprendre les bons gestes, comme Perrine. Chevalier servant. Au début, ça m'a fait bizarre, mais maintenant, ça me fait plus bizarre, j'ai l'habitude. C'est devenu un réflexe. Oui. Paradoxalement, c'est en travaillant auprès d'adultes, pour qui le mal était déjà fait, que Jean-Charles Piquant a décidé de sillonner les écoles. Étant confronté à ces patients-là, je me suis demandé si c'était pas plutôt intéressant d'apprendre ça dès le plus jeune âge, en pleine prise d'autonomie et d'indépendance, pour vraiment, justement, apprendre les bons gestes en grandissant. Et les apprendre, pourquoi pas aux autres. Les voici diplômés. Une toute première promotion qui, au bon sauveur, en appellera d'autres.